écoute, je ne suis pas français. Votre histoire de les, la, nos, il ou quoi là, je ne maîtrise pas. Mais je vais quand même vous raconter mon histoire. Ah. Le monde était encore tout frais, tout meuble, tout juste sorti des mains de Dieu quand cette histoire arriva. Trois amis marchaient sous le sol humide. Doua, Tolé, Aniché, le vautour, le calao et la poule. Une maladie frappa le vautour et ses cheveux tombèrent. Une maladie frappa le calao. Cet oiseau au grand bec crochu, son bec poussa jusqu'à s'étordre et prendre l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Une maladie frappa aussi la poule, qui, comme chacun sait, adore sautiller à droite, à gauche, en poussant ses petits glissements. La poule fit prise de rhumatisme. Chaque sautillement devint un martyr pour elle. Les trois amis appelèrent la miséricorde de Dieu. « Dieu, Dieu, nous souffrons trop. Viens à notre secours. » Dieu ne répondit pas. Alors, le vautour et les calaos se disent « Aucun oiseau n'a la puissance de nos ailes. Nous sommes les princes du ciel. Envolons-nous vers Dieu pour qu'il se réveille et nous guérisse. » La poule fut effrayée par leur plan. Elle leur dit « Ne vous impatientez pas. Si Dieu n'est pas venu tout de suite nous sauver, lui sait pourquoi. » Ils ne l'écoutèrent pas. Ils prirent leur envol. La poule resta là, à gratter le sol humide de ses pattes endolories. Le vautour et les calaos montèrent dans le ciel. Et leur envol, c'était comme un concours d'orgueil. La poule grattait. Elle attendait. Chut! Dieu arriva. Il dit à la poule, « Tu as eu la patience de m'attendre. Je te guéris. » Toute joyeuse, la poule s'est mise à sautiller à droite, à gauche, en poussant ses petits gloussements. Le vautour, lui, n'a jamais retrouvé ses cheveux. Le calao se promènera éternellement son bec tordu. Lève ta tête, lève. Tu vas les voir voler dans les airs à la recherche de Dieu qu'il suffisait d'attendre. Mes amis, ne vous impatientez pas. La patience est la clé de la réussite. Je vous aime.